Donc ces mélodies de Rimsky-Korsakov, pour juste vous dire pourquoi je les ai choisies pour ce concert, parce que dans la mélodie russe et particulièrement dans ces mélodies, on trouve l'esprit de l'Orient, hein. Le fait la Russie est proche de la Perse, et Rimsky-Korsakov était influencé par la poésie iranienne et par la culture perse. Et donc, dans la prochaine mélodie, notamment, c'est le thème de la rose et du rossignol, qu'on connaît bien, et le rossignol est amoureux de la rose, et effectivement, c'est une histoire qui termine mal. Mais on trouve, et particulièrement dans cette mélodie-là, justement, une part un peu à l'improvisation qu'on a en Orient, et qui est jouée au départ par le piano, et après, c'est la voix qui répond dans ses vocalises. Alors, pour la petite histoire, je l'avais chantée pour mon prix au conservatoire, et je voulais faire des quarts de ton sur la vocalise de fin. Et évidemment, on m'a interdit de le faire, on m'a dit tout le monde va croire que tu chantes faux, c'est absolument impossible, mais en tout cas, dans ces gammes, voilà, ici vous ne l'aurez pas non plus, mais il y a ces gammes orientales que certains connaissent, avec toute la finesse de ce quart de ton qu'on place au bon endroit. Et voilà, donc ces mélodies sont vraiment. Et j'ai choisi de commencer aussi le concert avec ces chants. Parce que ça commence de manière très douce, et souvent en musique classique, on démarre toujours avec quelque chose de plutôt énergique. Voilà, les invités sont là, donc on démarre toujours avec quelque chose de plutôt rapide et qui donne un peu d'énergie. Il y a des gens qui ont travaillé toute la journée et qui veulent peut-être pas s'endormir tout de suite. Alors que en Orient, c'est totalement l'inverse. On démarre vraiment avec quelque chose de très doux, des petites improvisations. On commence une conversation. Et ça commence toujours de manière extrêmement douce. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce début de concert avec des choses douces et qui nous permettent, avec Emmanuel, de discuter un peu avant de passer aux choses.
Sauf si vous en demandez un, sinon on continue. Donc voici les mélodies hébraïques de Ravel. Alors, évidemment, elles ne sont pas de Ravel, elles ont été réharmonisées par Ravel. Et donc, alors pour moi, justement, quand un compositeur occidental utilise justement le charme de l'Orient ou de l'Afrique, c'est réussi ou pas. En tout cas, l'image qu'il avait pour moi de l'Orient, dont vous l'entendrez après dans Scheherazade, et la manière dont il a réharmonisé ses mélodies hébraïques sont magnifiques. Et pour une personne comme moi, moitié orientale et moitié occidentale, ça vraiment, justement, il a réussi à joindre ces deux civilisations avec une force, vraiment avec une beauté incroyable. Il y a d'autres choses de Ravel, justement, où il y a les mélodies populaires grecques aussi, qui sont très belles. Après, je ne suis pas grecque, donc pour moi, ça a moins de sens de les chanter, mais voilà, c'est toute la question, justement, d'écrire à la manière d'eux, de la vision de l'Occident et de l'Orient et le charme de l'Orient, comment certains compositeurs interprétèrent, en tout cas pour moi, Ravel vraiment a ressenti pleinement l'orientalisme. Thank you.
Thank you.
Ravel en trois parties. D'abord Asie, puis la flûte enchantée et enfin l'indifférence.